Bonjour à tous, c'est SaintsLime, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme prévu, une présentation de Seed. Alors, cette première présentation de Seed que je vous montre, mais on commence avec une présentation d'une Seed assez énorme, vous allez voir, elle est juste incroyable. Alors, la Seed que je vais vous montrer est ici, elle sera évidemment dans la description et vous pouvez la voir ici en vidéo. Alors, je vais vous montrer cette Seed, elle est juste incroyable. Alors, on commence. Déjà, on remarque qu'il y a une immense pleine savane, un peu n'importe quoi, avec des hautes forêts. Et quand on avance, on voit de magnifiques cavernes, un magnifique terrain à côté d'un biome plein du sud et d'un désert. Et comme vous avez sûrement pu le remarquer, donc déjà on va regarder un peu ces magnifiques crevasses et tout, c'est assez énorme. J'ai commencé par une très 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 belle seed. Je tiens vraiment à souligner parce que cette île est assez exceptionnelle. On voit juste ici un village, donc un immense village qui s'est un peu confondu, comme vous avez pu le voir, avec le sol de haut. Et on a vu un immense, ça c'est énorme, l'immense blé qui s'étend jusqu'en bas. Alors ça c'est la création des villages. Et ce village est partagé en deux, entre en bas et en haut, comme vous pouvez le voir, c'est assez énorme. Alors je sais pas s'il y a un blacksmith, on va bien voir, une forge. En français, on va parler français. En tout cas, déjà, rien que cette génération de terrain est juste incroyable. On va voir en bas. On voit l'église et tout. Les magnifiques terrains et tout. C'est assez incroyable. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas juste ça. Comme vous pouvez le voir ici, la génération du terrain est magnifique. Et si on poursuit la rivière par ici, on peut remarquer qu'il y a aussi un deuxième village. Un autre village juste ici. Et ici, par contre, il y a une forge. Donc on va pouvoir voir ce qu'il y a dans le coffre de ce village. Alors, surprise, surprise. Ouf, pas mal de choses. Très exceptionnel. Comme une épée en fer, une pioche en fer, des pommes et du pain et du ink sac. Une poche d'encre de poule. Mais ce n'est pas tout. Cette scie est juste énorme. Ce n'est pas tout. En plus d'avoir deux villages. Un terrain exceptionnel, des biomes assez énormes, une savane amplifiée, comme on appelle, amplifiée avec des sortes de skyland, des le pire, c'est que c'est même pas tout, il y a juste un stronghold dans cette scène, c'est juste incroyable, vous allez voir, donc c'est très sombre, on va juste mettre de la lumière, voilà, vous avez juste à descendre, hop, 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 hop. Bien, et vous allez voir où vous êtes tombé. Donc c'est assez profond, hein. J'étais leurré la première fois que j'ai essayé, parce que je me disais non, mais pas trop bon. En fait, si, regardez, dans cette site absolument énorme, le terrain est juste magnifique. On trouve, alors le stronghold est assez immense, on va s'y perdre, mais c'est pas très très grave. Mais cette site est absolument énorme. Comme je vous ai dit, je commence avec une île exceptionnelle. Vous avez un terrain magnifique, deux villages. Un village d'ailleurs qui est confondu avec un style de la savane amplifiée. C'est juste énorme. Et le pire, c'est que dans tout ça, vous avez aussi un stronghold. Donc un... Comment ça s'appelle? Oh, je sais plus. Un donjon, voilà. Enfin, non, pas un donjon. La structure de l'end. Le stronghold. Enfin, c'est comme ça qu'on le dit en anglais. Donc je sais pas en français. J'ai oublié comment ça s'appelle. Portail de l'end, on va dire. Oui, c'est ça, le portail de l'end. C'est juste énorme. Alors on va essayer de voir le portail de l'end. Mais en tout cas, on ne peut pas le trouver, on va pas le chercher, on va perdre du temps, mais je suis sûr qu'il y est. Il y est forcément, dans toutes les générations, il y est. Donc voilà, j'espère que cette scène vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, et à vous abonner. Ça me fait super plaisir, et à commenter. Donc voilà, on trouve ici, juste ici, le portail de l'Inde. Donc évidemment, on ne peut pas l'activer, on est encore dans Minecraft Pocket Edition, mais c'est déjà un bon début. Alors... voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, je l'ai dit, vous abonner et à commenter. Et voilà, et on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. On se retrouve plus tard. Allez, tchuss les gens, bye bye.